Ces quatre jeunes pas comme les autres. C'est du moins l'avis de leur psy. Donnez-leur quatre micros et ça donne la muse-gueule. Avec Colas Bedouin, c'est tous les mercredis de 20h à 21h en direct sur Radio VL. On enchaîne avec la toute dernière partie de l'émission. À chaque fois, l'agenda du week-end, un agenda un peu particulier. On est ensemble, tous ensemble, et c'est Élodie qui vous donne cet agenda. Il y a quelques jours, des lâches, des putains d'enfoirés qui osent se cacher derrière un dieu pacifiste qui leur vomit sur la gueule, ont attaqué l'humanité. L'homme avec un grand H, la liberté, c'est cette liberté si chère à mon cœur et au vôtre, à l'amour. Ils sont 129 à en avoir payé le prix fort et des milliers, des millions à subir les dommages collatéraux de l'horreur parce que vous savez bien que la haine n'a fait aucune distinction. Alors mes chers amis, il faut continuer de se battre. Et pas qu'avec des fleurs ou des bougies, mais avec nos valeurs. Nos convictions, notre joie de vivre, nos sourires, nos prises de position. Ne perdons surtout pas le goût de l'autre, le goût de la vie. Quelle cruauté d'oser nous qualifier de capitale mondiale de la perversion. Un titre que j'aurais accepté avec fierté et émotion s'il ne nous avait pas été décerné par d'innommables monstres encore plus pervers que la perversité elle-même. Alors je continuerai d'errer dans les rues malodorantes que je chéris tant. Je continuerai de m'instruire, de m'enrichir de la diversité et de jouir d'une liberté durement gagnée. Je n'arrêterai jamais d'aimer. Ce week-end, et même si la peur vous tiraille les entrailles, levez-vous. Rions, dansons, chantons, buvons, baisons, vivons tout simplement. Je crois en vous et je crois en nous. Parce que nous sommes un et que tant que nous le serons, jamais au grand jamais ils ne gagneront. Ils pourront nous prendre des vies, mais jamais l'amour de la vie. Alors vendredi, à l'heure où le soleil fait un check à la lune pour qu'elle rejoigne les hauteurs du ciel, j'irai fumer un buzz avec Pierre et Théo sur les bords du canal Saint-Martin en attendant l'arrivée du boss avec une bonne bouteille de vin. Je sourirai aux mauvaises blagues de Pierre, j'écouterai la playlist de Théo et je m'abreuverai du désormais légendaire et salvateur rire de Colas Bedouin qui claquera dans ma tête comme le signe ultime que je suis en vie. Je ferai la tournée des bars et je jouirai de l'ivresse. Lesquelles ? Tout dans le deuxième et dans le onzième. Je continuerai la soirée dans une boîte de nuit en esquissant quelques pas de danse, tous plus improbables les uns que les autres avec Coco. Je regarderai Pierre et Théo vivre leur bromance dans les vapeurs de transpiration moite et acide de MDMA. Je flirterai, je me frotterai. Je terminerai la soirée dans les bras d'un inconnu cherchant dans l'étreinte à me sentir toujours plus en vie. Je le saluerai au matin et je regagnerai mon appartement sous le ciel de Paris aimant et clément. J'attraperai un sandwich chez les frères Tang, j'irai faire un city foot avec mes potes. Je chanterai la Marseillaise avant le début de la partie. Je pousserai de Paris et je mangerai même des ailes. J'irai au cinéma, je lirai du Montaigne, je me masturberai dans ma douche et je me mettrai du rouge à lèvres rouge. J'écouterai du Eagles au death metal en buvant un shot de vodka et j'irai aux gens que j'aime que je les aime. Parce que vous le savez tous, on restera libre, on restera fiers. Et vous les connards, et ben on vous emmerde.